Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Shadow Warrior 2. Je vois qu'il y a un coffre ici. Je vois qu'il y a des beaux culs ici. Bonjour. J'ai vu un chakra me passer devant le nez. Bonjour. Il en reste pas une non? Ah, elle est descendue trop bas. Ah, c'est un d'ailleurs. Bonjour. Oh! Sac! Oh! Perds pas la. Perds pas la main! Qu'est-ce qu'il a fait? Il vient de lever le bras bizarrement. Boum! Voilà! Il avait la tête sur les épaules. Oui, j'emploie le passé! Ok, bon, donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Shadow Warrior 2, chers amis. Il y avait un coffre. Il y avait un coffre. Ok. En fait, je crois que je viens de comprendre que tout ça, c'était de la lingerie, plus ou moins. D'accord. Ok, bon, bah pourquoi pas. Après tout, vous faites la lingerie comme vous voulez la voir. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Hop. Tout ça, c'est chargé à bloc. Ok, on est bon, on y va. Hello there. Oh bah. Résistance au poison, vulnérabilité. Ah! Vulnérabilité à l'électricité, t'es sûr? C'est vraiment pas la meilleure des choses à avoir là pour le moment. Hein. Ah ouais, mais il a du. Il a du PV. Hein. Un petit peu. Hein. J'ai comme qui dirait l'impression qu'il a du PV. Ok. On va s'occuper des autres. Bah alors. Ah, je me dis aussi, il y avait un problème, je faisais pas de dégâts. Ok. Dès qu'il sera. Encore un. Ok. Merci d'être venu. Dès qu'il sera à 50%, on risque d'avoir beaucoup d'ennemis en plus. Bon, ok. Je sais que j'ai une autre arme. J'ai récupéré son santé parce que je suis passé à côté de la tour, j'imagine. Oui, sans doute. Donc apparemment il a pas... Ou alors faut que je le bute entièrement une première fois. Oula. C'est ça, non? Ah non, même pas. Je pensais qu'il allait avoir, vous savez, une deuxième phase, mais non, pas du tout. Bon, par contre, ça a gaspillé des munitions à foison, projectiles. Ah d'accord. C'est comme l'arc, ça utilise des projectiles. Ok, c'est bon à savoir. Faudra que je m'en souvienne de ça. Parce que en soi c'est pas une super chose. Ok. Bon bah ah, y a un bouquin que j'ai pas pris. Effectivement. Crac, voilà. Hop, le coffre avec le truc. Parfait. Oula, cinématique. Do not give her that one. Why not? That one has my actual research in it. And the rest of these are just idle doodling? Worth about as much. In this business, you can't be too careful. There's always someone trying to steal your work. Yeah, about that. You know I'm only doing this because... It's fine. Just make sure you give her the fakes. And what about this one? That one, we destroy. I don't even want to think about what would happen if that fell into the wrong hands. Alors, je viens de penser à un truc. C'est vrai que... Elle est dans ma tête. Du coup, elle a accès à toutes mes pensées. Ça me semble logique. Hein. Comme ça, je peux pas faire plus simple. Cependant, j'ai pas accès aux siennes. Ce qui, là, me pose un vrai problème éthique, si je puis dire. Le problème étant le suivant. Comment je peux lui faire confiance? Et pourquoi lui faire confiance? Vu qu'après tout, je le rappelle encore une autre fois, je n'ai pas accès à ses pensées du tout. Et là, elle commence à me dire qu'il faut que je cache des choses. Pourquoi? Parce que. Vous voyez le problème? Ça, j'aime moins. J'aime un peu moins, effectivement. Là, pour le coup, je suis moins fan. Bien sûr. Bonjour. Ok.
putain. La vache, je sais pas si je fais des dégâts. Non, recule. Oh, je croyais que t'allais perdre tes jambes. Ah, bon bah je l'ai eu. Ah non, j'ai dû arriver hors de portée. Ils ont une portée, j'avais oublié. Du coup, faisons-nous plaisir. Okay. Ah, bon bah je l'ai raté celui-là. Mais vous êtes sûr ou t'en sors en nombre? Ok, vas-y. C'est bon? Lui aussi il avait la tête sur les épaules. Ok, on est bon. Boum. Est-ce qu'il reste quelqu'un qui veut négocier? Non. Pas plus mal. Voilà, support mémoire. Celui-là c'est quoi? Résistance élémentale. Je pense que je vais en vendre un paquet hein. Soyons honnêtes. Il y a un bouquin en bas. Là il y a un coffre. Il y a un bouquin en bas. Et le bouquin je vais le prendre. Il y a un bouquin ici. Merde, il y a un bouquin plus haut aussi. Fais chier. Si j'avais su, eh ben, je serais pas descendu. Si c'est bon, je peux me permettre de descendre. Bonjour. Excuse-toi, je t'avais pas vu. J'entendais, mais je t'avais pas vu. Voilà, merci. Alors, en termes de coffre, il y en a un plus haut, il y en a un plus bas. Là, j'ai un coffre. De la santé. Moi, j'ai un coffre aussi. Coffre ? Ah oui, coffre. Ok, c'est bon. Donc, ce coffre-là, je l'ai. Ça, c'est cool. Ok. Ah. Ok, c'est mieux. Là, j'ai un truc un peu plus bas. Là-bas. Ok, et la pluie qui se met à... Génial. Ça, c'était de l'argent. D'accord, c'est ce truc-là. C'est un bleu qui plus est. Dégâts du feu, plus 7%. D'accord. On va remonter encore une fois. Voilà. Merci. Et apparemment, il y a un coffre plus haut. Pour aller plus haut. Aller plus haut. Faudrait que je trouve l'escalier. Ah, je peux retourner à la base. D'accord, bah je vais récupérer le coffre et puis on sera bon. Il faut absolument que je vois, chers amis, dans le prochain épisode. Avant le prochain épisode, pardon. Ce que sont vraiment tous ces symboles. Pour pouvoir être sûr de ce que je vais vous présenter, de ce que je dois faire. Question, est-ce que je peux le pousser? Et il explose à l'impact, plus ou moins. D'accord, et ceux-là? Ceux-là explosent, ils sont fixés au sol. Ok, c'est juste histoire de voir, chers amis. Hein. C'est pas ce que je voulais faire, c'est l'autre. Est-ce que je peux d'ailleurs... Oh, je peux utiliser les deux. Intéressant. Ok, bon bah écoutez, on va se rentrer alors. Téléportation. Wouah! Bon bah, si j'avais su que ça allait être aussi simple, je l'aurais fait. Bon, c'est pas grave. La Wong Cave. Et on va aller, nous, là-haut, voir Mademoiselle... Mademoiselle la connasse, parce que c'est un peu ça. Hein. D'ailleurs, je vais lui parler avec la tronçonneuse à la main qu'elle se pose des questions. Voilà, bonjour, j'ai trouvé ses notes. Alors, parlons affaire. Wow, she may look stupid. Hey! But she knows how to write fancy. Is this everything? I brought everything that wasn't nailed down. I think one of them might even be her dream journal. I hope not. I don't want to know what that thing dreams. Bim. Money, like everyone else. Speaking of which. Puisqu'on parle d'argent. Your fabulous booty. But be ready. I may need you again soon. I see if I can fit you into my schedule. Ok, le marteleur qui est un fusil automatique ou un lance-grenade automatique. Sachant que j'ai déjà une arme électrique, je vais prendre le marteleur. J'ai une nouvelle mission de complet. Bah écoute, je t'écoute. Pas de soucis. I have another job for you. Je t'écoute. Am I working another birthday? The last one went so well. C'est bon intelligence. Ça. Oh, but you and intelligence don't appear to be on speaking terms. Oh, zing. Bim. Ouais. What do you need, mom? We're trying to find the source of the black ooze that's permeating the wildlands. D'accord. We believe it may be coming from one particular area. And that area Pourquoi is pas? It doesn't have a name. I'm sending you coordinates now. I can't wait.
Good luck, Mr. Wang. Merci, elle est gentille. Elle me souhaite bonne chance. Je le sens pas quand elle me souhaite bonne chance. Vif comme le vent. Augmente votre vitesse. Oh, oh. D'accord. As-tu autre chose à me dire? Non. D'accord. Un peu décevant. Y a pas d'autres quêtes secondaires? C'est dommage. Bon, cela dit, j'ai 6 points à mettre. Hein. Je veux pas dire, hein, mais... T'as toujours pas ouvert ta porte? Non, bien sûr que non. Qu'est-ce que t'as à vendre, cela dit? Pierre le sorcier toujours. Empoisonnement sublime m'intéresse pas. Empoisonnement noble, tigre noble. D'accord. Glacier noble, ok. Oh. 106 000, ça coûte la peau du cul. Huit d'énergie. Oh la gueule. Tu m'étonnes qu'ils fassent mal. Je vais les prendre par principe. Tiens, c'est quoi ces trucs au-dessus? Regardez. J'ai des orbes violettes. Je sais pas ce que c'est. Intéressant. 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 Ok, donc si lui il a de belles choses, on peut espérer que Larry en est aussi. Yo, Larry. Qu'est-ce que t'as à vendre? Ouh, un truc. Non, t'as rien. Le génocide. Ah bah, il y a l'autre. D'accord. Ok. Le génocideur qui est arrivé là. Ok, donc ça veut dire qu'on pourra techniquement avoir toutes les armes. 25 000. Bah écoute, ça fait mal au cul, mais vas-y. Générosité sublime de sorcellerie. D'accord. T'as vu, je vais remonter modérément. Retardement sublime. Adresse extraordinaire du braconnage. Pour ça, je tire à T moins 19%. Nanana. D'accord. Ok, bon, bah rien qui ne m'intéresse véritablement. Cependant, il n'y a rien d'autre. Alors, j'ai 6 points, je vais aller les mettre. Hein. Ça pourrait être intéressant. Recycle, voilà, cartouchière explosive. Munition explosive, vous pouvez transporter. Grenade, roquette, projectile. Ça, ça pourrait être intéressant. Énergétique, ça pourrait être intéressant aussi. Le karma, c'est quoi exactement le karma? Je vois pas ce que c'est. Parce que 15% pour 3 points, c'est pas beaucoup, donc ça doit être assez puissant. J'ai quand même que je suis dans le cadre, chers amis. Oui, je suis dans le cadre, c'est bon. Congélateur, foudroyeur, empoisonneur. Foudroyeur, ça va être intéressant. Ouais. Occultation, déflagration de qui? Soyons fous. Prenons le point. On l'a, master. Ok, invocation de pique démoniaque. Améliore la régénération de qui? D'accord. Je peux mettre 2 points, il m'en faut 10 pour la suite. Hein. Ce qui n'est pas rien. Ok. Voilà. On va rester là-dessus. Ok. Bah écoutez, pour l'instant, je suis assez déçu. Là-bas, je suis pas censé en tourner plus de 3 ou 4, hein, mais... Je n'ai pas censé en tourner plus de 2. Donc on va partir en mission, on va bien voir, mais c'est une mission principale, donc ça m'embête. On en est où dans l'épisode? On en est où? On a 13 minutes. Ou alors je reviens, parce que je veux pas me lancer dans une nouvelle mission, sachant que je vais tourner trop de ce jeu-là. Je reviendrai bien sur une mission secondaire, espionnage industriel, on l'a fait juste avant. Un truc que j'ai pas souvent fait. Bah allez là, on va aller voir ici. On va aller tuer quelques monstres pendant une quinzaine de minutes. Et puis on verra bien. J'espère tomber. Alors il y a des armes qu'on peut tomber que par endroit, chers amis. Hein. Donc il faut pour cela battre plein de monstres. Jusqu'à ce que vous arriviez à la dropper. J'aimerais bien en dropper quelques-unes. Ça pourrait être cool. Aussi, il faut vraiment que je pense à regarder pour ces symboles. On peut partir à la chose symbole aussi dans différentes maps. Ça peut être intéressant. Je sais pas véritablement ce que ça rapporte en dehors de l'argent, cela dit. Peut-être ça qui est un petit peu dommage, c'est que si ça rapporte que de l'argent, ça m'embête. La suite, s'il vous plaît, la barre de chargement est complète, pourquoi tu continues à tourner, dragon? C'est bon, merci. Hello there. Alors, préférez qu'il fasse beau. Salut. Tu te rappelles de moi? Oh bête. Oh, j'en ai défoncé plus d'une là.
Cannibalisme extraordinaire, qui sentait tout... Ah bah merde, t'avais pas vu, je croyais que t'étais mort, excuse-moi. Je t'ai pris pour un cadavre. Ah, ils esquivent, attention, quand même. Je veux pas dire, hein, mais ils le font. Ok. Bon bah c'est cool, on commence bien. Cela dit, je veux bien remonter, hein, s'il n'y a pas d'autres monstres, hein, y a pas de soucis. Hein. Par contre, je veux bien plus de boss, hein, y a pas de soucis non plus de ce côté-là, hein, moi je m'amuse. Hein. Parfait. Là, apparemment, il y en a un. Je crois que c'est encore un chien infernal. Ah, bah oui. Vulnérabilité au feu. Voilà, ça marche, que j'ai rajouté finalement. Ok. C'est bon. Ça va, elle est puissante. Il y en a qu'à se dire qu'elle l'est pas. Biscuit chinois. On va écouter. Nous sommes tous dans le carnaval. Oh, mais certains d'entre nous regardent les étoiles. Scar Wilde est toujours. Hein. Encore et toujours. Apparemment, les boss sont indiqués par des grosses flèches. Et là, je vois des grosses flèches. Par contre, si c'est toujours la même bestiole, ça va être cool. Ah, ils sont plusieurs. Non ? C'est divisé en plusieurs ou quoi ? Hop. On se calme, les filles, on se calme. Il y en aura pour tout le monde ! Hop, les. C'est pas faux. Vous, les démons, vous avez tous la même gueule, c'est vraiment pas faux. Par contre, oui, tout est tombé en dessous. Ça fait chier, cette histoire. Ok. Intéressant par là. C'est des ennemis intéressants aussi. Ça dit, ça me rappelle vaguement là d'où je viens en fait. Genre, ah bah non, parce que sinon j'aurais pas eu le... Ok. Ça m'intéresse, continuons. Des gros... Non, ça c'est un gros buisson, Marcus, c'est pas un gros ennemi. Pas de gros ennemis, semble-t-il. En tout cas, on voit pas des masses. Ah, si à gauche, y en a un. À gauche, y en a un, il est au-dessus, cela dit. Comment je grimpe? Par là? Oui! Salut! Oh, t'es un gros griffeur. Oui, effectivement, ça correspond. Ça, par contre, ça m'embête un peu plus. Ok. Ah, y'a un griffeur d'élite avec, en fait. D'accord. Ah, il aime pas qu'on lui touche aux pattes, hein. Oula, mais il fait mal. Il fait mal, le sac. Résistance électricité, merde. Par contre, t'aimes pas le poison, si j'ai bien compris. Ah oui, t'aimes pas du tout, en fait. Ah, il a pas apprécié l'explosion, quoi. Gros paquet. Merde, c'est couverture extraordinaire, d'accord, ok, si tu le dis. Je débloque des choses... d'accord. On a un fusil automatique. On va peut-être aller jeter un œil. Et on a aussi les couteaux plasma, qu'il faudrait aussi qu'on jette un œil dessus. Mais ils prennent des munitions, donc ça m'embête. Le mart... Oh, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Pour l'instant. Voyons voir. D'accord. Il y en a qui aiment pas le poison apparemment. Il y en a beaucoup qui aiment pas le poison. Rayon de dégâts. Rayon de dégâts, ça me semble intéressant. Et ça aussi. Voilà. Je suis curieux. Ouh. En tout cas, en main, ça a de la gueule. Là, il y a un gâteau chinois. Crac.
biscuits chinois. Le problème dans le monde, c'est que les gens intelligents donnent. C'est que les gens intelligents doutent. Tandis que les imbéciles tombent sur deux. Ouais, je fais toujours aussi mal. Hein. C'est triste. Ok. Moi, je cherche des gros ennemis. Ah. Écoute, il semblerait que j'en ai trouvé. Ok. Ok. Il fait mal. Merde. J'ai pas le bon réflexe. Putain. En fait, ils explosent directement dès qu'ils sont suffisamment proches. Du coup, je suis Nikkei. Ok, comme l'indice. Indice Nikkei. Joli dans le coin. Je veux y aller. C'est même très 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 joli. C'est même absolument magnifique. Ok, merci. Il n'y aurait pas un petit symbole de... Non ? Pas de petit symbole ? Non, pas du tout. C'est dommage. C'est véritablement dommage. C'est typiquement là-dedans que j'en aurais mis un, moi, par exemple. Oh. Alors, il est là. Il est quelque part. Mais en fait, il est dehors. Ok. C'est cool. Point de passage. Ce sera dégâts supérieurs aux ennemis élites, d'accord. Il n'y en a pas dans le coin, c'est dommage. Je crois que je les ai tous butés. Ok, je casse tout sur mon passage, c'est pas grave. Bon. Et des gros ennemis élites, il y en a ou pas? Un lapin. Ce matin, un lapin a tué un chasse. Ah bah voilà des ennemis élites. Wow, look at you. Mama's little demons all grown up. Ah oui, il a grossi, lui. Wow. Meurs. Tu permets, je recharge. Merci. Non mais où? Mais tu permets de me toucher comme ça, quoi. T'as cru? Hop. C'est quoi? D'accord, ton recharge chargeur, ça pourrait être intéressant, hein. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire super vitesse de rechargement. Alors là, il y a un bouquin. Un bouquin que je n'ai pas pris. Intéressant. Je sais pas si ça m'apporte véritablement quelque chose, ces bouquins. Si c'est juste. Si c'est juste cosmétique, si je puis dire. Ça ressemble vaguement au début. Merci pour les munitions. Ça ressemble vaguement au début. Il n'y a plus de gros monstres. Ah, attendez. J'ai vu du rouge. Non, c'était juste de l'orange, Marcus. Tu te calmes. Ok. Et il est juste dans le vide. Il est juste dans le vide le machin, donc c'est pas la peine. Ah là, j'ai vu du rouge. Ah! Où tu es? Ah, il est plus haut encore. Il est sur le pont? Sur le pont d'Avignon. On y danse, on y danse. Non, faut que j'arrête. Faut vraiment que j'arrête avec ces chansons. Merde. Merde. Ok, faut que j'arrive à grimper. Il y a une belle bébête au-dessus. Faut vraiment que j'arrive à grimper. Il est où l'escalier pour monter? Dis-moi. Oh.
Là, vous voyez, il y a encore un truc. Je pense que ça doit être des trucs en coop, ça, par contre. Bonjour. Wow, bonjour. Vous êtes nombreux. Aïe. Vous savez quoi? Après, tu feras pas merde. Non, 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 j'ai dit. Pique, merci. Ah. Vous êtes sérieux, là, les mecs? Ah, en fait, il y en a un troisième, tout simplement. Ok. Boum, voilà. Viens voir, papa. Tac. Problème résolu. Par contre, moi, je veux monter, pas descendre. Je veux monter, pas descendre. Si c'est possible, bien sûr. Une tronçonneuse qui ne coupe pas de bois? Mais quel est ce bordel? Bon, on va passer à gauche. Hein. Ah, attendez. Ouais! Ça m'arrange pas. Y a une grosse bébête là-haut. Pas vraiment là que je voulais aller à la base. Écoutez, il y a l'air d'y avoir une espèce de chemin. Ah, peut-être que par là je peux monter dans le bâtiment, attendez. Ah bah non, je suis déjà au plus haut. Merde! Laissez-moi monter un peu plus haut. Ok, je crois que j'y suis. Non, c'est pas le bon... Je crois pas que ce soit le bon toit en fait, grosso modo. Si vous voyez ce que je veux dire. Merde! Fais chier! Ah! Non? Ah, attendez, regardez! Elle est juste là. Voilà! Oh bah merde, c'est juste un gros reefer de base. Oh, je suis dégoûté. Ah, par contre, là, il y a autre chose. Ah, il subit là le gros griffeur, il subit le truc. Ah, normalement les grands ennemis et les supérieurs ne devraient pas le subir. Mais franchement, ça aide. Par contre, ça fait aussi que je suis principalement un peu plus... Je prends un peu plus de risques finalement. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose en soi. Mais bon, pourquoi pas. Ok, bah écoute, retour à la maison. Retour à la maison, j'ai les yeux complètement explosés dès que je joue à jeu là. Par contre, c'est violent. Oh là là. Oh là là, oh là là. Je pense qu'on va aller vendre aussi un de ces quatre, tout ce qui est petits objets moisis. Et alors, est-ce que ça s'ouvre ici? Parce que c'est clairement une porte, hein. Non, c'est pas une porte? C'est pas une porte qui mène au monde de Cthulhu? Non, pas du tout. Je peux pas couper les arbres. Ok. C'est à moi là-bas aussi ou pas? Parce que j'estime que tout ce village m'appartient. Soyons honnêtes, selon moi, tout ça, c'est à moi. J'avais oublié. Ok, du coup, elles sont des... Est-ce que vos bagnoles sont... Non. Ta tronche, est-ce qu'elle est... Non, pas plus. Et la tienne? Non plus. Ok, bon bah excuse-toi alors. Bah écoutez, chers amis, nous, on va cesser là pour cet épisode, je pense. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yoop!